Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous faire une tarte aux champignons. J'ai une super assistante, c'est Charlotte. Pour faire cette tarte aux champignons, il me faut 1/4 litre de lait, 30 g de farine, 2 œufs, du beurre, 600 g de champignons, un petit peu de jus de citron, du sel, du poivre, et puis moi, comme je suis flémarde, j'ai pris l'option d'acheter un fond de tarte brisé. Déjà fait. Voilà, c'est parti. Première opération, on émince nos champignons. Donc Charlotte est à l'œuvre. Pendant que Charlotte émince les champignons, moi je mets le beurre à chauffer pour les faire cuire. Maintenant que mon beurre est fondu, eh bien je vais y mettre mes champignons. On rajoute un peu de citron. Et on remue avec la cuillère assistante. Je vais laisser mes champignons cuire une dizaine de minutes à feu doux. Alors dans un saladier, je vais verser ma farine, mon lait qui va me permettre de délayer ma farine. Je vais y casser mes 2 œufs, sel, poivre. Bon, je pense que ce sera un petit peu trop salé et poivré vu la quantité mise par mon assistante. Mais mon assistante est charmante, hein? Alors, pendant ce temps, je mets mon four en préchauffage à 250 degrés. J'ai ma pâte toute faite dans mon plat. Une fois mes champignons cuits, je vais les égoutter et les mettre sur mon fond de tarte. Ma préparation sur mes champignons. Félicitez mon assistante pour ce dîner qui va être exceptionnel. Merci Charlotte. Et voilà la tarte aux champignons de Charlotte.